vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Onskala, astuce beauté et maquillage, autrement dit, maman colonel. Alors, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvelle. Sur la chaîne, nous partageons beaucoup de choses. Je partage pas mal de trucs. Je partage les astuces de beauté avec les ingrédients naturels. Alors, pour les gens qui me suivent de temps en temps, me voici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des astuces de beauté avec les ingrédients naturels. C'est une vidéo des soins de la peau. Alors, si vous aimez vraiment prendre soin de vous avec les ingrédients naturels, si vous voulez vraiment rester au taquet, même si l'âge avance, pardon, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et cliquer sur la petite cloche. Quand je vais poster la nouvelle vidéo, vous allez être la première à recevoir la notification. Ok? Donc, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, ça ne sera pas trop long. C'est une courte vidéo, comme d'habitude, moins de 15 minutes. Ok? Je vais vous montrer comment faire un gommage pour exfolier le corps entier, y compris les pieds. Ce gommage est très efficace. Ça élimine les cellulites, ça lisse la peau, ça lisse les cuisses, ça lisse les fesses, ça lisse partout. Franchement, si vous avez des formes, parce que c'est souvent que non, les gens qui ont vraiment des formes et qui ont pris peut-être du poids, les cuisses ne sont plus beaux à voir en fait. Vous avez besoin peut-être de mettre un petit short et vous avez peut-être besoin de mettre une petite jupe, une petite robe. Par contre, vous avez tellement des cellulites, vous ne savez pas comment l'éliminer. Voilà. Un exfoliant très efficace, ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à aller tester, ça va vraiment vous aider parce que là, nous sommes en été, il fait chaud, il y a la chaleur. On n'arrive plus à supporter les pantalons, on n'arrive plus à mettre des gros trucs, des petits bras cassés, des petits trucs, des petits jupes, des petits robes et tout. Voilà quelque chose qui pourra vraiment vous aider. Ok? C'est parti, je vais vous présenter les ingrédients pour réaliser ces fameux exfoliants magiques qui va vraiment vous aider à vous débarrasser des cellulites, qui va vraiment vous aider à lisser votre peau, à avoir la peau comme la peau d'un bébé. Parce que moi, je répète dans mes vidéos, l'âge avance, la peau change, il y a le cellulite qui sort, voilà, il y a beaucoup de trucs du coup pour avoir une belle peau, pour avoir le bel cuisse, pour avoir des beaux jambes, il faut vraiment prendre soin de vous, surtout les pieds. On a tendance à être toujours belle sur le visage, à se maquiller, mais par contre, il faut être belle partout, ok? Il faut vraiment être belle partout, il faut prendre soin de toi, partout dans ton corps, les pieds, les bras, les jambes, les mollets, partout, les pieds, surtout. Là, nous sommes en été, on va mettre des sandales, on va mettre des... Bref, c'est parti. Préparez-moi un sucre de canne. Là, j'ai le sucre de canne. Pourquoi j'ai choisi le sucre de canne? Parce que les sucres de canne, ça ne fond pas vraiment vite. Il y a un peu des gros morceaux. Ça marche vraiment bien pour exfolier. Ok? J'ai le sucre de canne. J'ai le café moulu. Trouve-moi le café. J'ai l'huile essentielle de citron. C'est l'huile essentielle de citron. Je l'ai fait toute seule. Si vous n'avez pas l'huile essentielle de citron, cherchez l'huile d'olive. Mais je vous conseille vraiment pour ces mélanges, il faut mettre l'huile essentielle de citron. C'est très bien parce que c'est très efficace. Alors, j'ai encore un citron vert. Je vais utiliser les idées d'un moitié d'un citron vert. D'accord? Du coup, pour commencer, comme d'habitude, j'ai mon petit bol. Mettez la quantité que vous voulez. Si vous avez un bol ou un récipient pour faire une bonne quantité pour garder, franchement, c'est important parce que ça ne va pas pourrir. Voilà. Je vais mettre du coup la quantité que moi je fais. Je ne mesure même pas. Je mets du café. Je mets du sucre. Il faut que les sucres et les cafés soient de la même quantité, afin que le mélange ne soit pas trop mou, trop pâté. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que le mélange va se ressembler. Voilà, j'ai le mélange. Du coup, je vais mettre un peu de l'huile essentielle, des citrons. Je ne mets pas beaucoup. Voilà. Avec ces trois ingrédients, avant de mettre le jus de citron, je vais déjà mélanger le café, le sucre et l'huile essentielle pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut pas mettre beaucoup d'huile essentielle, il ne faut pas mettre beaucoup de citron non plus parce que c'est un gommage exfoliant. Il faut que ce soit vraiment avec des graines en fait. Ok? Voilà. Excuse-moi, suive-moi pas là. Je ne me suis pas assise au bon endroit pour faire la vidéo. J'ai fait cette vidéo un peu vite fait. Parce que j'ai des choses à faire, comme c'est vraiment un demande, je me suis dit, il faut que je fasse, voilà, vite fait. Je ne suis pas assise
au bon endroit. Par contre, vous allez vraiment respecter les instructions, en fait. Respecter les instructions, c'est très important. Voilà, vous avez vu comment le mélange. Après, je vais descendre la caméra pour vous montrer comment gommer vos cuisses, comment gommer vos mains, comment... Surtout les cuisses. Voilà. Après avoir mélangé mes deux ingrédients, du coup, je vais mettre un peu, la moitié d'un jus de citron. Juste la moitié. Ah, mince. Voilà, la moitié d'un jus de citron. Parce que les citrons et les cafés et de l'huile essentielle de citron, ça va vraiment vous aider à avoir une bonne couleur dans vos cuisses, en fait. Vous allez avoir une belle peau et tout. Voilà. Du coup, attendez, je vais faire descendre la caméra pour vous montrer ce quoi ressemble le mélange. Ok. Alors, voilà le mélange, ça ressemblait à ça. Donc, je n'ai pas mis beaucoup de jus de citron. Je n'ai pas mis beaucoup de l'huile essentielle de citron. Par contre, j'ai mis la même quantité de café et la même quantité de sucre de canne. C'est ça l'importance, en fait. Parce que si vous mettez la quantité du sucre, ça ne va pas être comme ça. Mais c'est vraiment important de mesurer parce que moi, je n'ai pas mesuré, j'ai déjà l'habitude. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de café et 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Après, vous mettez l'huile essentielle. Vous mettez votre jus de citron. Donc, en ce moment-là, voici mon mélange. Du coup, comment exfolier vos cuisses pour ne pas avoir des cellulites? Comment exfolier les pieds pour que les pieds soient vraiment lisses? Que vous pouvez mettre des shorts pour aller à la plage et tout et tout. Vous rincez d'abord votre corps. En prenant votre douche, vous mettez de l'eau dans votre corps. Que votre corps soit mouillé, les cuisses soient mouillées. Après, vous allez prendre le mélange, ces mélanges-là. Vous commencez à gommer partout dans vos cuisses. Voilà, il y a vraiment des graines, hein? Vous avez vu? Parce que c'est les sucres et les cannes, en fait. Vous commencez à gommer là où il y a les cellulites, à gommer vos cuisses, à gommer. Prenez votre temps. Franchement, ne prends pas la douche de 2 minutes. Prenez la douche maximum de 30 minutes parce que vous allez gommer vos cuisses pendant 10 minutes. Vous gommez l'autre pied, vous gommez, vous laissez. Vous recommencez à gommer l'autre pied, les cuisses, les mollets, les pieds partout, les talons, vous gommez. Les bras partout, les coups partout, les dos. Si vous avez quelqu'un, votre mari, votre enfant, quelqu'un de confiance, vous pouvez l'appeler, qu'il vous gomme les dos et tout, gommez votre dos. Ça va vraiment uniformiser votre teint de tête aux pieds. Ces gommages, ça va vraiment vous aider à aller à la plage, voilà. Vous vous déshabillez à la plage, comment avec votre maillot de bain, il n'y a pas les pentagones, il n'y a pas les pieds blancs, les dos noirs et tout, ça va vraiment vous aider à uniformiser votre couleur de peau, ok? Vous gommez comme ça, après avoir gommé, vous laissez 5 minutes, donc vous gommez pendant 10 minutes, après avoir gommé, vous laissez 5 minutes, après vous rincez votre corps avec de l'eau chaude. Si vous avez des cellulites, vous êtes obligé de gommer ces gommages chaque soir quand vous prenez votre bain d'histoire. Mais si vous n'avez pas de cellulite, mais vous voulez juste uniformiser votre teint, lisser votre corps, lisser votre peau, gommez ça 2 ou 3 fois par semaine, ça va vraiment vous aider. Après, vous allez voir que non, vous êtes maintenant confiante, vous pouvez mettre un petit short, vous pouvez mettre une petite jupe, vous pouvez mettre une petite robe, vous pouvez... Vous baignez à la plage devant tout le monde sans pourtant avoir honte de votre corps. Ok? Moi, en personne, franchement, j'aimais ça un peu gêné parce que hier, j'avais eu une petite robe comme il faisait tellement chaud. Il n'y a pas de cellulite, mais il y a... Voilà, c'est pas beau en fait. C'est pas beau. Je me suis dit, oh là 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 là. Ils me font un gommage parce qu'on a fait... J'ai fait beau, plus ou moins tout l'hiver en fait. J'ai fait tout l'hiver
pantalon collant, legging, pantalon collant, legging. Je ne mettais pas des robes, même si je mets une robe avec un bas collant en dessous. Donc, je ne voyais pas mes pieds, je ne voyais pas mes cuisses. Je ne me rendais pas compte que non. Après ça, il y aura le soleil. Il faut préparer le corps pour essayer de mettre des robes. Voilà, je me suis dit, il faut que je fasse mon gommage pour éliminer les cellulites, pour lisser mon corps, pour lisser mes pieds, pour lisser mes jambes. Ok? Donc voilà le mélange. Comme je vous ai dit, le mélange, vous allez mettre dans un petit bol. Et si vous avez un petit bol comme ça, un petit récipient, vous mettez dans les petits récipients pour que ça soit bien, bien, bien gardé. Voilà. Moi, je vais mettre les miens ici. Je vais mettre là. Chaque soir, quand je vais me laver, je vais gommer mes pieds, je vais gommer mes cuisses, je vais gommer mes fesses, je vais gommer mon ventre. Voilà. Pour avoir un bon teint, pour avoir une belle peau, que je peux mettre mes petites robes parce que nous sommes en été. Voilà, je fais comme ça. Franchement, c'est pas la peine de les mettre au frais, comme c'est bien fermé comme ça. Vous pouvez les mettre dans votre douche, dans votre salle de bain, là où il y a vos produits de beauté, vous mettez là. À tout moment où vous allez aller vous laver, vous gommez votre corps. Ces gommages, ce n'est pas pour le visage parce qu'il y a les sucres de canne est tellement, il y a tellement de morceaux, il y a tellement de gros graines. Donc ça peut vous agresser la peau du visage. Mais par contre, pour les pieds, c'est vraiment ça. Pour les cellulites, c'est vraiment ça. Pour le corps, voilà, c'est vraiment ça. OK? C'est un peu de bordel, mais je suis désolée. Hein. J'ai fait la vidéo un peu en vite fait. Je vais nettoyer. Après. Voilà, je crois que presque à la fin, je vous ai montré comment réaliser un gommage pour éliminer les cellulites, comment gommer, comment réaliser ces mélanges, avec quels ingrédients, comment le conserver. Je répète encore, moi c'est Angela, astuce beauté et maquillage, autrement dit Maman Colonel. Je partage beaucoup de choses sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et demain c'est dimanche. Je crois que je vais faire une vidéo sur le maquillage, une vidéo aussi sur. Ça sera une vidéo sur le maquillage et les looks parce qu'il y a tellement de demandes, je ne sais pas comment me partager en fait. Je ne sais pas comment me partager, il y a tellement de demandes, je ne sais pas comment me partager. Mais je vais faire de mon mieux de partager, de vous faire une vidéo du maquillage demain le matin, si Dieu nous prête vie parce que demain ne nous appartient pas. Quand je vais me réveiller de bonne humeur, voilà, quand j'ai le temps comme d'habitude. Je vais faire la vidéo demain, alors n'oubliez pas de partager. Même si vous n'avez pas le cellulite, même si vous n'avez pas, vous avez les pieds qui sont lisses, vous pouvez refaire le gommage pour le rendre, pour l'embellir encore, ok? Même si vous n'avez pas des taches, si vous n'avez pas le, voilà, tout ce que j'ai parlé dans la vidéo, si vous n'en avez pas, donc, je vais juste vous demander de partager la vidéo, ça peut aider quelqu'un d'autre derrière l'écran parce que, je répète, nous, on a toujours tendance de prendre la soin, pardon, prendre le soin du visage en fait. On prend que les choses sur le visage, mais faut prendre soin de tout le corps. D'accord? Il faut prendre vraiment le soin de tout ton corps. Faut vraiment être belle tout ton corps, de tête aux pieds. De tête aux pieds, voilà, t'es nickel en fait. Ok? T'es vraiment nickel, tu mets une robe, t'es de tête aux pieds. Si quelqu'un te regarde de tête aux pieds comme ça, tu es waouh, c'est ça une belle femme. C'est pas que le visage, c'est pas que le maquillage, c'est pas que comment éliminer les taches des boutons. Faut savoir aussi comment lisser vos cuisses. Faut que les cuisses soient bien lisses. Pas les cellulites, pas les ndoutas, pas les vergetures et tout. Voilà, tout ça, ça fait partie de la beauté de la femme. Tout cela, ça fait partie des soins corporels de la femme. Comment tu vas prendre soin de toi avec les ingrédients naturels. Alors ici, moi, je partage beaucoup des astuces. Même si ces derniers temps, je partage n'importe quoi, mais sache que non, le but, la base de ma chaîne, c'est les astuces de beauté avec les ingrédients naturels. Moi, c'est Maman Ange. Alors, abonne-toi, clique sur la petite cloche, laisse-moi un petit commentaire si la vidéo t'a plu, laisse-moi un petit message, laisse-moi ton demande si tu as besoin de quelque chose, astuce, voilà. Ne me demandez pas qu'est-ce que tu utilises pour ton teint. Qu'est-ce que tu mets sur ton visage? Voici mon visage, je suis au naturel. Là, je viens de me réveiller, voilà. Je ne me suis même pas maquillée. Je suis mis de l'eau sur mon visage. Voilà comment je suis belle. Alors, si vous avez besoin de mon secret,
Écrivez-moi en privé, je vais vous montrer quelle huile que moi j'utilise pour avoir ces belles peaux, pour avoir la peau bien propre, sans rides, sans taches et tout, et tout. C'est, nous allons nous revoir la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être demain si Dieu nous prête. D'accord? On se dit bye!